Bonjour Mathieu Lucien, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog, on est mardi. Par contre, je ne sais pas quand on est exactement. On est le 20... 27? Non, pas 27. Je vois pas d'ici, 25. On est le 25, regardez pas ma tête, hein. J'ai travaillé au matin, j'ai fait plein de choses chez moi. Voilà. Et j'ai pas ouvert de vlog hier parce que... J'ai fait quoi hier? Je ne sais plus. Parce que j'ai oublié. Et du coup, j'ai fini ma lecture du précédent vlog qui vous allez avoir certainement avant ce vlog. Parce que j'ai fait. Il y aura un vlog, un challenge lecture 6 heures que je vous ai pris. Et j'ai commencé celui-ci que Instagram m'a choisi. Sexe et Challenge de Sarah Juna. Juna, je suppose que c'est comme ça. Je l'ai commencé hier. C'est celui que j'ai acheté au Salon du Livre à Mons cette année. Il est dédicacé. J'ai un marque-page que je pourrais pas vous montrer. Voilà, avec. Et alors, j'avais eu une petite carte. Voilà, toute mignonne. Et dessus, il marquait. Parce que vous avez une petite phrase. Je vais vous dire la petite phrase d'accroche. Elle est trop belle en plus, cette carte. J'ai besoin de savoir avec toi en sécurité, loin des blessures qui se désestabilisent. Oh! Déstabilisant autant. Je ressens sa douleur jusqu'à mon âme. Elle est trop belle, cette. Voilà, et je la mets dans le fond de mon livre parce que j'ai vraiment pas envie de la perdre. Et voilà, du coup je vais continuer ça. Là je vais lire un petit peu, une demi-heure je pense. Et voilà, sur ce je vous laisse et je vous reprends plus tard. Bonjour mes petits dessous, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir un vlog, on est le 2 novembre. On est mercredi. Oui, je pense qu'il va durer en 2 jours, en 2 semaines, parce que voilà, j'ai vraiment plein de choses à faire et que je vous ai oublié. Puis c'était congé, j'ai profité de mon su. Voilà, du coup j'ai plein de trucs à vous montrer. Déjà 2 gros colis. J'ai deux. Je dois parler de mes lectures aussi. Du coup, on va ouvrir d'abord le petit. Je sais qu'il y a un truc qui est pas à moi, mais c'est pas grave. Ah, il est pas dans celui-là. Là, il n'y a qu'un lit. Qui est un livre de Noël, c'est Ça sent le sapin de Noël de Isa Wolf. Voilà, chez BMR. Oh, ils sont beaux, les petits chats. Un petit chat. Voilà. Ici, je sais plus de quoi ça parle. Emma n'a quasiment pas connu son père. Mais alors. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Alors qu'elle apprend le décès, elle n'hésite pas à une seconde. La Parisienne prend la route jusqu'au petit village de Prilance, Prinaire, où il réside. Elle veut prendre qui il est, qui a fêté Noël dans la petite. Dans les sombres neiges, après le trajet éreintante, elle est accueillie par Jérémia. Jérémia, je sais pas comment ça se dit, le meilleur ami de son père. Mais au lieu de voir montagneux, bourré qu'il était imaginé, elle se retrouve face à un jeune homme plus sexy que jamais. Jérémia découvre une super jeune femme au caractère avec fougueuse que son ami. Cependant, il tenta bien que le mal de grande distance. Et si elle avait ce qu'il lui avait fait, elle s'ennuierait à tout à jambes. Toute jambes. Pourtant, Emma a bien décidé de percer le caractère de Jérémia. À profiter de Noël. J'aime beaucoup la couverture. Voilà.
Du coup, on va ouvrir le gros carton. Du coup, je suppose que... Le truc qui n'est pas pour moi est là. Je vous montre après. Je vais d'abord pour tirer. Ouais, il est là. Hop. Il n'y a qu'un truc que je ne peux pas vous montrer. Il est là, ouais. Ça, c'est... je vous montre pas. C'est une carte mémoire pour mon papa. Du coup, voilà. Du coup, je me suis pris le... Non, c'est pas le... C'est de retour au pays imaginaire. Voilà, c'est les Twisteltel. Je les ai pris tous. Du coup, pourquoi pas celui-là. Et il faut que je me les fasse absolument. Voilà. Après, je me suis pris celui-là. Il me tente beaucoup. J'aime beaucoup la couverture. Je vous ai pas parlé de la quatrième couverture. Mais voilà. Je voulais vous parler de la petite phrase peut-être de celui-là. Vous croyez tout savoir sur le célèbre pirate. Hâte pour le tic-tac d'un réveil. Voilà. Voilà. Et je vous parle de celui-là. Il est trop beau. After Love. Même la mort ne pourra séparer. J'aime beaucoup la couleur en plus. C'est chez Hachette Roman. Je regarde. Oh, regardez. Oh, c'est beau. Oh, il y a une petite fleur. Ça a l'air trop mignon. Ouais, ça a l'air trop chouette. Et j'ai plus de lumière. Bon. Pour la soirée du nouvel an, Das décide de dormir chez Poppy. Sans prévenir, ses parents inquiètent. Cette dernière, lui, demande de rentrer immédiatement. Sur le trajet du retour, As est déconcentré par une fille qui observe. Elle se fait renvoyer par une voiture et meurt. La fille qui la concerne est une grande faucheuse et en tant que dernière personne à mourir avant d'utiliser un coup de minuit. As est devenue grande faucheuse à son tour. As a du mal à accepter sa nouvelle condition car cela signifie tout oublier. Son premier amour. Or, elle fera n'importe quoi pour rejoindre Poppy, morte ou vivante. Voilà. C'est un coup de cœur de Melktic. Voilà, je vous montre ça. Et j'aime beaucoup la couverture. Elle est trop belle. Voilà. Voilà. Puis je vous montre, je me suis pris un autre petit Noël. J'en ai de doute celui que j'avais pris. Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda. Ouais, de chez HarperCollins Poche. Voilà. Par contre, c'est écrit tout petit les HarperCollins, mais enfin soit. Je vous parle de la quatrième de couverture. Alors, il n'a jamais été si différent en entendre Noël. Chaque année, Millie hésite au moment de faire sa liste au Père Noël. Une partie d'elle aimerait demander du courage pour oser enfin relever ses sentiments à Hugo, le meilleur ami de son frère. Un autre plus prudence l'empêche car avoue son amour au pompier souriant intensité et risque de prendre plus belle amitié. Alors mille prend sur elle, essaie d'ignorer ses battements affolants de son cœur quand il entend chaque semaine dans sa chocolaterie pour lui acheter une douceur. Mais lorsque un grave incendie détruit le foyer pour enfants de la ville quelques jours de Noël, il tient un moyen de rejoindre utile à l'agréable, enfin de décorer son fond. Des fonds pour les obsieux et elle organise des ventes de pâtisserie
à laquelle participera également Hugo. Bien sûr, cela n'implique qu'elle passer encore plus de temps avec son pompier. Et si le Père Noël était en avance cette année? Il est trop. Il a trop envie. Et puis je me suis pris. Je rappelle que c'était un tome 2. Enfin, moi voilà. Du coup, je me l'ai pris parce que le premier, c'était, je sais plus le nom. J'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette autrice. Je ne sais pas prononcer le nom. Enfin, le titre. Et c'est de Delinda Den, de chez Hugo Roman, dans la collection Nous Romans. Et j'ai trop envie de me mettre. J'ai plein de Hugo que j'ai envie de lire pour le moment. Mais j'aime beaucoup ces livres en plus. Voilà. Voilà pour les petits achats. Je vous montre. Voilà, ça fait beaucoup. Il faudra que je les rajoute. Puis je vais vous parler de mes lectures en cours. Il faudrait que je m'y mette. Oh, j'arrive pas à l'avoir. Que je m'y mette. Je suis en lecture commune. Je vais peut-être en lecture commune pour celle-ci. Un Noël sans fin de Christina Loren. C'est chez Hugo Poche, je l'ai pris en poche. Ça fait un plus d'un an que j'ai envie de l'avoir, mais j'ai attendu le poche parce que j'aime beaucoup plus les poches. Et Christina Loren, j'ai commencé dimanche ou lundi? Lundi, je crois. Ouais, lundi, je crois. Et on est au chapitre 9 et page 85. J'aime beaucoup pour l'instant, mais je vous en parlerai plus en profondeur. Et je continue toujours ma lecture parce que voilà, je lis entre les deux. J'avance pas trop. Sexy Challenge, voilà, de Sarah Juna, voilà, qui était dédicacée. Je suis en plein milieu d'un. Ah non, je suis dans le chapitre. Je suis au chapitre 11. Avec une belle illustration et au 119. Voilà, j'aimerais bien avancer dans ces lectures au plus vite. Voilà, je vais quand même regarder. Il faudra que je le dise à mon papa que j'ai reçu sa carte mémoire. Voilà. Bien sûr, je vais pas la voir. C'est pas grave, on prend des ciseaux et on va y aller. Voilà. Oh, il est bien là. Voilà, vous pouvez la voir comme ça. C'est une carte mémoire pour sa PSP. Voilà. Mais voilà. Comme ça, il l'aura. Et j'ai encore un truc à récupérer pour lui. J'ai encore deux trucs pour récupérer à ma tantine. Je suis le Père Noël cette année. Enfin, ça, non, c'est pas pour le Père Noël, mais voilà. Ma tantine, oui, c'est pour le Père Noël. Ça, je vais enregistrer ça après. Voilà. Ou peut-être maintenant. Voilà. Et ben voilà, sur ce, je vous laisse et je reviens dans ce vlog plus tard. Faites des gros bisous. Bonjour mes tutus, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens dans ce vlog, on est jeudi. Jeudi 3 novembre. Et j'ai quelques trucs à vous dire. Voilà. Hier, j'ai continué un petit peu sexe. Challenge de Sarah Juna. J'ai avancé un petit peu. Je suis arrêtée dans plein milieu du chapitre parce que je l'ai repris très tard celui-ci. Et du coup, je suis à la page 134. Voilà, je suis arrivée. Je l'ai lu plus tard que je pensais. Voilà, mais enfin, soit. Mais j'aime toujours autant. J'ai encore envie de me replonger dedans. Voilà, mais je suis presque à la moitié ou je suis à la moitié. Voilà, j'aimerais bien le terminer. Après, j'ai lu ma partie du jour hier de Un Noël sans fin de Christine de Lorraine. J'aime beaucoup. J'ai eu du mal au début de rentrer dans cette histoire. Ici, on va suivre, je ne sais jamais son nom, un personnage qui va revivre plusieurs fois la journée du 20 au 26. 20, 26, je crois que c'est ça, du 20 au 26 de Noël. Et ça va tourner en boucle et on va suivre. Là, on est. Je suis. Je viens de lire un chapitre. Enfin, trois pages. Et je me suis rendu compte qu'il faut que je vous parle là maintenant. Parce que je vous explique après. Je suis à 132 pages. Voilà. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien on doit être. Mais voilà. On doit le finir cette semaine. Enfin, dimanche, il doit être terminé. Du coup, voilà. Il me reste tout ça à lire pour ce. Voilà. Et
Bah, c'est celui que je vous ai dit. Là, j'aime beaucoup aussi l'histoire. La plume, elle se lit toute seule. Ça se lit assez vite. Je ne sais pas si c'est mon premier de Christina Loren. Je pense pas. Je crois que j'en ai déjà lu. J'aime beaucoup. C'est pas l'habituel et je suis contente de le lire maintenant. Voilà. Après, j'ai une réception ce matin. Je pensais l'avoir eu hier, en fait. Mais non. Voilà. C'est un Noël. C'est l'amour à Noël, ça craint. De Kim Jarno, je sais pas comment ça se dit. Voilà, vous avez une meilleure Noël. Voilà. J'étais en train de regarder, mais il n'y a rien au chapitre. Et du coup, je vais vous lire un peu la quatrième de couverture. Elle est belle aussi. Je pense que c'est un auto-publié aussi. Du coup, je déteste l'amour et par-dessous tout, je déteste Noël. Je vous laisse un peu. Les boules, les guirlandes, les boissons chaudes et les faux cheminées m'énervent. Des ménages de moins de cinquantaine qui s'amplifient. De chocolat, de bon marché devant la téléfilm. Et après-midi sur M6. Pourtant, je vais devoir prendre sur moi cette année, car mes parents, ma soeur et mon beau-frère et leurs enfants cassent les. Je ne vais pas vous dire. Voilà, vous avez compris. On casse les bonbons, on va dire ça plus facilement. Débarquant. L'énergie viennent tous passer les réveillons chez moi. L'occasion de restaurer un lien familial, tu parles. Alors que je me retrouve obligée de préparer un dîner et de décorer en urgence, voilà que le dernier sapin disponible à Paris me passe sous le nez. À cause d'un type sorti tout droit de ce fichu téléfilm, grand, ténébreux, sexy et assurant, impossible. Insupportable. Quand le mot est coupé en deux, c'est compliqué. Prétentieux et agaçant. Vous croyez qu'un bon coup de pied dans ces décorations lui fera passer l'envie de me parler de la magie de Noël? Voilà. Mais ça me tente beaucoup. Voilà, il est quand même assez balèze. Je sais pas combien il fait. Oh non, je pensais 370. Non, je pensais qu'il faisait plus. Ouais, voilà. Enfin, un petit peu plus quand même, parce que je viens de voir que j'étais pas à. Ouais, 371 exactement. Voilà. Mais il est très beau aussi. J'aime beaucoup la couverture. Voilà pour ça. Et ben là, je vais vite replonger dans ma lecture, parce qu'après, je vais préparer le repas de ce soir, parce que comme je dois partir entre 5h et 5h30. Ben, je vais aller. Qu'est-ce que j'ai? Je vais manger plus tôt que prévu, parce qu'il faut quand même avoir quelque chose dans le bidou. Et voilà, du coup, j'ai continué celui-ci pour essayer de prendre de l'avance, d'être à ma partie du jour. Je sais plus à combien on doit être aujourd'hui. Ça, je peux vous en dire juste après si vous voulez. Mais je vais essayer d'avancer avant ça et je reprends. Le moment où je serai occupée à faire à manger, ce serait peut-être une bonne idée, ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve après quand j'aurai commencé, enfin, avancé dans mon chapitre, dans mes chapitres du jour. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve plus tard. Bonjour, Nutulisseuse. J'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 8 novembre et j'ai plein de choses à vous dire. Je vous ai pas pris tout le long du week-end. Je ne sais même plus quand je vous ai pris pour la dernière fois. Du coup, je vais vous parler de mes lectures, de mes petits achats du week-end. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Du coup, je commence par quoi? Par mes achats de samedi. Je bois un coup. La première chose, elle est derrière vous. Je me suis pris la peluche fée clochette de Noël, comme ça. Voilà, avec ses chaussures, avec des pieds. Voilà,
Elle est trop mignonne. Je suis trop, trop contente de la voir. Maintenant, il faut que je trouve les autres. Je la mets là. Après, j'ai craqué pour ceci. Voilà, c'est une théière et deux tasses. Je ne les ai pas encore déballées et je ne vais pas les déballer tout de suite. Voilà. Du coup, vous voyez les clochettes. Voilà, le... ils sont. J'aime beaucoup cette théière. Et puis, monsieur avait vu des clés Disney. Il y a, je ne sais plus laquelle qu'on a pris. Enfin, ça, je vais vous montrer. J'en ai. Celle-là, je sais, on l'a payé 10 euros. Celle-ci, du chez Shire Alice. Ouais, j'espère que vous la voyez bien. Ouais, ça va. Ah, ouais, il y a le tag avec. Hop. Bon, je voulais vous le montrer, mais ceux-là, ils sont plus chers. Ceux-là, je les avais déjà. Il les a tous mis ensemble, en fait. Ça, c'est ceux que j'avais déjà, que j'avais pris l'année passée. Ou cette année, je sais plus. Je pense que c'est cette année. Là, c'est Cruella. Cruella, le film. Et Tigrou. Voilà. Ça, j'avais déjà. Je pense que vous les avez déjà vus. Puis, on a pris Toy Story 2020. Il y a le tag. Voilà. Monsieur voulait Toy Story. Comme son chat s'appelle Woody, c'est normal. On a pris la... je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Pour pas dire de bêtises. Voilà, mais vous voyez, c'est avec tous les Mickey dessus. On a pris la clé de là-haut pour 5 euros. Plusieurs clés, on a payé 5 euros. Donc on en a profité. Woody, non! Voilà, après on a pris la clé de la maison de poupée là. Je ne sais plus comment. Je vous montre le texte, de toute façon. Voilà, elle est trop belle aussi. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Et Winnie l'ourson. Celle de Winnie l'ourson. Voilà. Et le tac. Et je vois que celle-ci. Ah, c'est celle de monsieur. Ouais, ça. Voilà. Et on a pris celle-ci. Stitch et Souillon pour 10 euros. On est très contente. Même si elle a été ouverte. On voit. Ah non, elle n'a pas été ouverte. Non, je disais des bêtises. Voilà. Voilà pour ça. Hop, je vais les mettre là en attendant. J'espère que mon chat ne les fera pas tomber. Je vais vous parler de mes lectures. Je devais finir Un jour sans fin de à Noël sans fin. Voilà, de Christine Anne-Lorraine. Je vais le finir dimanche. Je suis pas terminée. Je suis à. Au chapitre 19 et je suis à 335 pages. Je vais continuer ça après. Voilà, je suis en retard comme j'ai pas lu vendredi, samedi, dimanche. Je suis en retard. Je devais aussi continuer Sex Challenge, toujours pas continué non plus. J'ai toujours pas avancé. Je suis à 134 pages. Je voudrais bien le terminer aussi. Voilà, je perds dans mes je vais plus savoir quoi. Et puis j'ai d'autres trucs à vous parler. C'est pris, monte. Voilà. Un cadeau pour monsieur. Je me suis pris ceci. Je ne sais pas. J'étais déjà ouvert, j'ai cassé en fait. J'espère qu'il y a plus dedans. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pour laver la figure. Et vous avez plusieurs modèles. Voilà. Je me suis dit pour tester une fois. Ce serait bien pratique pour faire une fois ma figure à fond. Puis je me suis pris un petit sac. Ouais, si vous ouvrez comme ça. Petit, hein. Hop. Vous avez la lanière et pour mettre quelques petits trucs aussi. Voilà, ça c'est mon écharpe. Je me suis pris ceci. Je suppose que c'est, si j'ai bien vu, c'est un baume à lèvres.
Ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est un pot de 30 grammes. Pour l'hiver, ce sera tout juste. J'en ai mis un peu beaucoup sur mon doigt. Et j'ai pas de... Merde. Je reviens, il faut que j'enlève mon doigt. Me revoilà, j'essuie mon doigt. Après, j'ai trouvé... ceci, Vibra, il avait disparu, maintenant il est revenu. J'avais peur qu'il n'y avait pas les perles dedans, du coup je vais regarder. C'est un dauphin, j'avais trop envie. Bon, on a les perles, on a bien les perles. On a un rond cette fois-ci. On a la patte et le bic. Bien, il est tout petit, mais j'ai trop envie de le faire. Il va aller très vite, celui-ci, je pense. Voilà. Au début, j'avais envie de sonner à ma belle-mère, mais je l'ai pas fait. Bon, je range ça après. Hop, voilà. Après, je me suis pris des pantoufles. Comme ceci. J'aurais bien chaud les pieds, tout fourré dedans. Voilà. Je me suis pris des petites pantoufles que je vais mettre. Et en plus, je suis coincée. Des talons. C'est un peu relevé comme ça. Je serai beaucoup mieux pour rester chez moi. Après, j'ai pris un petit agenda. Je vais mettre tous mes rendez-vous dedans pour mettre dans mon sac. J'ai pris des petites babales. Je vais voir si mon frère ça l'intéresse. On va tester ça après. Je me suis pris des petits carnets chez Vibra à 1 euro pour moi écrire des conneries dedans. Après, j'ai craqué. Et il faudra que je retire le tag, ça m'ennuie, mais vous avez comme ceci. Et après, vous poussez à l'intérieur et vous avez l'autre face. Oh, c'était un stitch, je pouvais pas repartir sans plus, c'était le dernier, du coup j'avais trop envie de me le prendre. Voilà, comme ça quand je serai fâchée, la bonne humeur et la fâchée, mais pour le moment c'est comme ça. Je suis pas dans mon assiette. Puis j'ai pris un deuxième bulletin agenda pour monsieur. Voilà. Où je pas. Ouais. Puis je me suis pris pour 4 euros le Wissy Book au nature, conseil, beauté, zen et bien du bien-être et sexe. Voilà. Du coup, je sais pas. On verra bien ce que ça donne. Je vais le lire de temps en temps dedans. Et puis j'ai pris. Oui, c'est book coquin. Insolide, quiz, instruction, jeu, humour, et mais pas question. Voilà. Je. Là aussi, c'est. Voilà. On verra comment ça. Vous avez vraiment le tout. Très, très grand. Vous avez des jeux. On verra bien ce que ça donne. Et je vous tiendrai au courant. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Voilà. J'ai fini. Voilà pour ça, et voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais tester les petites balles pour monsieur Woody, jeter ce qu'il y a à jeter et ranger ce qu'il y a à ranger. Voilà, sur ce je vous reprendrai plus tard, bisous bisous. Bonjour mes petits du sol, j'espère que vous allez bien, moi ça peut aller. Le moral n'est pas top top pour le moment, mais on va faire avec. Je vais, je reviens dans ce vlog, on est le 8, mercredi 8, si je dis pas de bêtises, novembre, et j'ai
donner un coup de torchon chez moi. J'ai regardé, bien sûr, c'est pas le titre, je sais plus le titre, un film de Noël sur Netflix que j'ai adoré. J'essaierai de vous en parler tantôt, peut-être, parce que là, je sais plus le titre. Et j'ai hier, je n'ai pas continué mes bouquins parce que j'ai regardé un film avec monsieur. Je ne sais plus ce qu'on a regardé, je sais plus le titre non plus, mais je vous en parlerai tantôt. Je pense que je vais regarder après le titre. Voilà, et j'ai lu un petit peu, j'ai lu 2 fois 30 minutes aujourd'hui. J'ai continué ma lecture qui est en retard du coup. Qui était devait être arrêté dimanche, mais on est mercredi, ça fait comme j'ai pas lu hier, ben je vais continuer. Un Noël sans fin de Christina Loren, et je suis arrivée à chapitre 22 de 170 ou 78. J'avance doucement et sûrement j'aimerais bien le terminer aujourd'hui ou demain, gros max. Voilà, et après j'aimerais bien continuer celui-ci ce week-end. Voilà, parce que lui aussi il avance plus du coup. Voilà, hop, je suis à la moitié. Et voilà, je suis au chapitre 12. Et j'aimerais bien le continuer parce que j'aimais beaucoup cette lecture. Voilà. Et du coup, là, je vais continuer celui-là. Et voilà. Logiquement, demain, il y a un colis qui doit arriver. Mais demain, je vais nettoyer chez ma tantine. J'espère, croisons les doigts, que j'arrive à le récupérer. Et voilà. Parce que c'est le livre qui sort demain en plus. J'ai grand écart là, ma dent. Enfin, merde, chaque fois que je vous parle, ça me perturbe. Mais enfin, soit. Et je vais nettoyer chez ma tantine demain. Enfin, lui donner un coup de main. Et comme vendredi, c'est férié. Je vous prendrai vendredi. Juste peut-être. En espérant d'avoir fini celui-là. Et pour qu'il soit dans ce vlog. Et je conclurai ce vlog vendredi. Je vais essayer de le faire du matin. Le conclure du matin. Enfin, matin au début d'après-midi, gros max. Pour le monter et vous l'insérer. Ben non, ce week-end. Ouais, ce week-end, vous avez déjà un vlog. Je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le vlog vendredi de samedi de Paris d'Aïsa, je pense. C'est Paris d'Aïsa que je vous ai mis, je crois. Bah, enfin, il faudra quand même que je conclue ce vlog et que je le monte parce qu'il y a quand même 2 semaines. Même si j'ai pas pris pendant quelques jours des fois. Déjà le week-end je vous ai pas pris parce que j'ai été aux conventions. Vendredi, quand monsieur est rentré, on a été visiter je sais plus le nom, mais le truc de dinosaure qui est près de chez moi à Gosselies. Voilà. Et puis voilà, les conventions samedi dimanche à la Louvière et samedi à la Louvière, dimanche on a fait Disney meeting Disney à Fleurus et puis on est reparti à la Louvière et quand on est revenu on était manger avec son meilleur, enfin un ami à mon chéri. Voilà, comme ça il était content, il a pu le voir un petit peu. Ça fait plus d'un mois qu'on essaye de manger avec. C'est compliqué, mais on a réussi, du coup il est très content. Et voilà, mais j'ai pas grand chose à vous dire. Je vais essayer de continuer un petit peu avant que monsieur rentre. J'aimerais le terminer, mais il me reste 100 pages plus ou moins. Du coup, je vais essayer de terminer ça et je vous laisse. Et voilà, et vous voyez pas les belles petites choses qui dorment à côté de moi. Voilà, mais je vais peut-être tourner la caméra et vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens dans ce vlog. On est le 10 novembre. J'ai quelques trucs à vous montrer. Oh, il est pété là. Et j'en ai un petit au-dessus. On va commencer par le petit. Parce que le petit, je sais c'est quoi. C'est celui que je veux absolument. Et je viens de rentrer à l'instant de chez ma tantine. J'avais pris mon livre de livre à Noël sans fin avec moi, je l'ai paumé, je sais pas où il est, il est pas dans la voiture de ma tantine, je l'ai pas tombé devant, du coup voilà, du coup je vous sors, je l'ai toujours pas vu à moi, oui, Savannah de Nathalie Sullivan,
Chez Hugo Boss. Oh, il est petit, je pensais qu'il était plus gros que ça. Il fait 357 pages, exactement. Il est trop beau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà eu. Je voulais la quatrième de couvre ou je voulais sans lire la quatrième. J'ai vraiment pas envie parce que j'ai envie de me le faire pas longtemps. Du coup, je pense que je vais pas vous faire. Ça, je pense savoir c'est quoi. Logiquement, c'est mes calendriers de l'Avent. Je crois que c'est ça que j'ai commandé pour vous les ouvrir, bien sûr, ici. Hop! Il y a quand même des billes dedans. Je pensais pas. Du coup, d'abord, on a une petite annonce téléfilm de Fanny André. Voilà, c'est un petit. J'aime beaucoup. C'est un MM. Écrit plus petit que, mais voilà. Ça fait good. Il me tente beaucoup. C'est Noël, Feel Good et petite annonce. Voilà. Il y a Cher Père Noël de Claude Duval. C'est les éditions Romances d'hiver. Ceci est un peu plus gros. C'est un Feel Good Noël Famille. Voilà. C'est les éditions Bookmark. Aussi c'est bookmark, ouais c'est ça, c'est l'édition bookmark. J'aime beaucoup, c'est faut que je trouve tous et que je les remette ensemble parce que ça va faire un beau truc. Après j'ai pris celui-là parce que j'avais envie. Tom Fletcher, le Noël solo, c'est un jeunesse avec des graphiques dedans. Voilà, j'ai pris en poche parce qu'il était pas cher en poche, il était à 7 euros en poche. Du coup, je me dis, je vais me le prendre. Et voilà. En plus, j'aime beaucoup la couverture. Voilà. Hop. On verra ce que ça donne. J'ai même pas vu. C'est lui, le Tom Fletcher. Il a une tête comme ça. Voilà. Il a des lobettes. Tout le monde disait qu'il était bien. Du coup, je me dis, pourquoi pas. Et tester. Il y a plein de petits dessins dedans. Voilà. Et du coup, je vous montre les calendriers qu'on va ouvrir sur la chaîne. Il y aura un jack. Il y a un trou là. Un jack. Voilà. Puis il y a une caisse fermée. Il y a une caisse fermée. C'est un autre calendrier d'avant. Les caisses qu'on va réutiliser. Oui, je le vois, je l'aperçois. Je suis trop contente de la voir aussi, lui. Hop. Vous n'avez pas deviné. C'est Disney. C'est la première année qu'ils font et il me le fallait absolument. Du coup, on va se découvrir 25 pièces du calendrier. Du calendrier de l'Avent, 25 pièces, enfin, c'est figurines vinyle. Et du coup, on voit déjà, je ne vais pas vous trop spoiler, mais on voit déjà qu'on aura Mickey. Là, on a, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est Mickey ou Minnie, et Donald. Voilà, ouais, c'est ce qu'on voit là. C'est Minnie là. On la voit mieux là derrière. En fait, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, 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 elle est là. Voilà. Et l'autre, ce sera Jack. Hein. Voilà pour les deux. Enfin, je vous en aurai trois déjà. Normalement, il y en a deux autres qui vont arriver bientôt. Voilà. Je vais ranger ça. Voilà. C'est trop colorant de mon colis. Voilà. Du coup, pour les quatre nouveautés qu'il faut que je rentre maintenant. Je rentre. Voilà les quatre nouveautés de cette. J'ai encore plein de livres. Voilà. Et sur ce, ben, je ne vais pas trop vous parler de mon livre parce que je ne l'ai pas avec moi. Il me restait moins de 50 pages en plus. Du coup, j'espère que ma tante va le retrouver. J'espère qu'il est laissé chez elle. Ou je vais regarder sur l'application si je le trouve et je me le prendrai pour lire les dernières pages. Voilà, ça me fait un peu râler. Voilà, mais.
on verra avec. Sur ce, si elle retrouve mon livre, je reviendrai vous en parler. Et je veux le terminer aujourd'hui, bon sang. Et si pas, j'essaierai de le terminer comme autrement, parce que là, je veux voir ça à la fin. J'avais lu une bonne partie ce matin, en me levant. Mais là, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Je vous fais des gros bisous. Bonjour, tu sais, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est dimanche, je ne sais pas combien, 13 novembre. Et je profite que monsieur vienne partir à l'instant déposer mon colis. On est dimanche, oui. Mais moi, j'ai une boulangerie qui est ouverte le dimanche et qui prend les colis. C'est une chance pour moi. Ouais, parce que hier, je n'étais pas là. Du coup, voilà. Et du coup, il est parti me porter mon colis. Et du coup, je reviens pour vous parler de mes petites lectures. Et en même temps, conclure ce vlog. Comme ça, après, je vais prendre mon temps et le monter. Et sur ce, je ne sais pas si je vous ai dit jeudi. Je crois que oui. Je vous ai dit que j'avais pris mon bouquin avec moi pour aller chez ma tantine. Que en revenant, je l'avais mis dans ma poche et je ne le retrouve pas. Plus. Il n'est pas chez ma tantine, il n'est pas dans la voiture, je ne sais pas, ne regardez pas ma tête, hein, il n'y a pas longtemps, je suis toujours en pyjama, je suis à mon aise le dimanche, voilà. Et du coup, vendredi, c'est vendredi ? Non, jeudi, comme je ne retrouvais pas mon livre et que j'ai été au magasin, je me le suis repris, voilà. Du coup, j'ai pu le terminer samedi, oui c'est samedi. Je ne sais plus quand je l'ai terminé. C'est jeudi soir. Non, pas jeudi. Parce que jeudi, j'étais trop fatiguée. Je l'ai terminé le samedi. Bah oui, hier. Oui. Non. Hier, j'avais déjà terminé. Enfin, vendredi. J'ai terminé vendredi, c'est ça. Et je ne sais plus ce que je vous dis, mais c'est pas grave. Du coup, je me le suis repris. J'ai lu les 30 pages qui me restaient. Parce que je voulais vraiment savoir quoi. Du coup, il est terminé. Un Noël sans fin de chez Hugo Poche, de Christine Lorraine. Et j'ai bien apprécié. Il a une note de 9 sur 10 sur BookNotes. Voilà. J'ai apprécié cette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture. Je vous le conseille si vous voulez passer un bon moment dans cette histoire. On va suivre notre personnage que je ne sais plus le nom et que voilà. En fait, elle va. Au début, je m'ennuyais, enfin, j'avais peur de m'ennuyer un petit peu parce que vous allez voir. On est dans cette histoire où elle va aller au chalet de sa famille pour passer les fêtes. Et en fait, dès qu'il y a un moment pas bien pour elle, elle revient dans l'avion avant d'arriver au chalet. Et ça se passe comme ça à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, ça revient dans l'avion. Et en fait, elle doit prendre le bien-être pour elle. Et du coup, voilà. Et elle va rencontrer aussi l'amour qu'elle connaissait déjà depuis longtemps. Voilà, c'est une belle histoire. Il ne faut pas lâcher sur le début, parce que c'est vrai qu'au début, on a envie de le lâcher. Mais moi, j'ai continué. Je suis en retard sur ma LC, mais voilà, c'est pas grave. Je l'ai lu, je suis contente. Et j'ai bien apprécié, et c'est le principal, et je vous conseille de le lire. Je n'en dis pas plus, parce que voilà, on va suivre plusieurs... Il va se passer plein de choses à Noël, ils vont faire plein de choses. C'est bien Noël, Noël est bien présent, enfin, l'esprit de Noël est bien présent. La neige, tout ça, voilà, la famille. C'est une comédie romantique, je n'ai pas de truc à vous dire plus. J'ai apprécié, ça se lit tout seul. Quand j'étais dedans, je ne lâchais plus, sauf que le week-end passé, j'ai pas lu vendredi, samedi, dimanche, parce que jeudi soir, j'ai eu le fils d'un ami qui était venu à la maison. Je me suis occupée de lui et du coup, je n'ai pas su lire. Samedi et dimanche, on était en convention et chaque fois que je rentrais, j'étais... fatiguée, du coup à un moment j'ai lu un petit peu, mais voilà, j'avais pas lu grand chose. Du coup, j'ai été en retard dans ma LC et là je l'ai fini et je suis très contente de l'avoir lu. Et du coup, j'ai continué celle que j'ai toujours dedans. J'ai bien avancé aussi, il me reste plus des masses. Je suis très contente. Du coup, c'est Sexy Challenge. Je vais essayer de bien l'avancer ce soir, cet après-midi.
dans l'après-midi et dans la soirée. Et voilà, essayez de le terminer au moins demain. Voilà, comme ça vous l'aurez dans le vlog prochain, je pense. Et j'aime beaucoup cette lecture. J'aime beaucoup les personnages. Ici, on va suivre, je sais jamais leur nom, le mec. Anya, je sais pas comment ça se dit, enfin soit. En fait, elle va arriver, enfin, elle va quitter son boulot et elle va se retrouver dans l'avion. Elle sait pas comment elle est arrivée et elle va arriver chez son ami, je ne sais plus son nom, qui travaille, je ne sais plus son nom. Ben, soit. Et du coup, elle va être colocataire tout un moment. Elle et sauf que il a envie d'elle, il a un truc qui l'attire chez elle, sauf que il sait bien qu'elle ne restera pas là. Et du coup, il dit qu'il peut pas, c'est pour cette challenge, il doit résister à la tentation et c'est compliqué. Et au moment où elle avait prévu de reprendre son avion, sa mère lui sonne en disant qu'elle arrive, parce qu'elle avait quitté son boulot et son ex. C'est son ex qui l'a quitté, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais enfin, soit. Enfin, c'est un rupture. Non, c'est lui qui l'a quitté, enfin, soit. Et, ou elle, je ne sais plus. Enfin, soit, ça ne change pas grand-chose, ils sont séparés. Et, du coup, elle va se retrouver chez lui. Et, elle me met à pleurer. Et, ils avaient donné un médicament, je crois, dans l'avion, un truc comme ça. Ils vont l'assommer et c'est lui qui va venir le rechercher. Et du coup, il faut le lire pour comprendre, parce que je suis moi-même perdue dans ce que je dis. Voilà, et je peux vous parler un peu de la quatrième si vous voulez. Comme ça, vous allez plus comprendre que ce que je dis, parce que voilà. Plus de mecs, plus d'appart. Plus de mecs, plus d'appart, et un problème de boulot. Rien ne va plus. Pour Ashna, c'est H-A-N-H. Elle a tout perdu. Pour l'espoir de quelques jours, et quand son patron la convoque pour lui imposer un congé sans solde, en effet immédiat, c'est un coup de grâce. Voilà, c'est un congé sans solde. Je croyais que c'était viré, mais un congé sans solde. Et c'est parce que c'est les 10 premières pages, on sait ça. Hein. Voilà. Et ce n'est pas tout. Que fait-elle dans cet avion? Elle ne se souvient même pas d'avoir pris son billet. Et pour où? Chilang, je ne sais pas si ça se prononce comment, mais il fait froid là-bas. Heureusement que sa meilleure amie y habite. Steve aime les femmes. Steve, S-V-E-N, aime les femmes. Il adorable. Enfoiré sur le bord, il adore filer avec ses limites. Ouais, il couche avec tout le monde. Vous allez voir mon tas de merde. Hein. C'est tous mes vêtements que je dois ranger. J'ai plus de place. Vous cachez. Oh là là, c'est bordel. Quand la meilleure. Mais en fait, il y a beaucoup de couvertures. Là, c'est des couvertures. Là, c'est mon gilet. Là, c'est mon truc pour mon dos que je mets de temps en temps. Il y a la couverture chauffante. Il y a un pantalon que je mets quand je reste chez moi. Là, c'est une couverture Stitch. Voilà, c'est beaucoup de couvertures. Et quand ma meilleure amie de sa coloc débarque chez lui, à Strachnok, je ne sais pas comment ça se prononce, et ils sont tout de suite que ça ne va pas le faire. Miss balaye un balai dans le cul. Et j'attrape soif. Enchaîne de coincé par son genre. Enfin, il aime les défis, surtout les défis aussi sexy qu'elle. Il ne sait pas encore, mais Ashna.2 n'a pas peur du challenge et elle est bien décidée à ne plus le laisser faire, même pour une coloc qui ferait fondre la neige. Voilà. Entre attirance et confortation, qui des deux gagnera la partie. Voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Et je voudrais bien le terminer, comme ça je pourrais commencer une autre histoire lundi. Enfin, je t'ai venu aujourd'hui ou lundi pour au moins. Voilà. Et là, je vais jouer un petit peu à Disney. Du coup, je vais conclure ce vlog ici. Et j'espère que ce vlog vous aura plu.
Vous avez quand même eu pas mal de choses, je pense. Il y a tant 2 semaines déjà, je ne me rappelle plus de tout, mais voilà. Et j'espère que ce blog vous plaira. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et ça peut montrer dans les stats aussi. Voilà. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et je vous fais des gros bisous.